Là, c'est la partie plein cintre. Je suis Jacques Loire. Alors, je dis souvent le fils de Gabriel, parce que c'est mon père qui a fondé l'atelier en 1946. Et je suis le père de Bruno et Hervé, qui ont pris ma suite maintenant et que j'ai eu comme élève, si je puis dire, comme élève du maître d'art que je suis devenu. Ma profession, c'est maître verrier. Je vais paraphraser quelqu'un qui l'a dit avant moi, on est un peu les passeurs de lumière, c'est-à-dire qu'on joue avec les verres de couleur pour animer les espaces intérieurs. Donc c'est un grand pouvoir puisqu'on peut modifier l'intensité lumineuse et la coloration d'une façon importante. C'est toujours du vert de couleur qui est utilisé. Le vert a fait ses preuves. Vous voyez dans nos cathédrales, les vitraux ont 8 siècles, ils n'ont pas bougé, ils ont résisté aux assauts du vent, le sable dans le vent qui use le vert. Et pourquoi trouver un autre matériau puisque le vert va bien? Je suis arrivé dans ce métier d'une façon presque naturelle. Mon père donc a créé son atelier en 1946 et pour moi ça a été une découverte. Pratiquement tout naturellement, j'ai dit moi j'ai envie de faire comme toi. J'ai fait des stages dans différents ateliers. Je suis allé travailler à Paris avec des peintres, plutôt dans la création. On est un métier de recherche presque tout le temps. À chaque projet nouveau, il y a des données différentes. On en apprend tous les jours. On apprend tous les jours quelque chose. Le geste favori, c'est la pensée, la réflexion autour d'un projet qu'on vient de me soumettre. Ça, c'est merveilleux parce que là, tout est possible. Parce que à ce moment-là, rien n'est impossible finalement. Il n'y a que quand on s'attelle à la table que ça devient plus difficile. Et alors après, le geste important, c'est le moment où je me mets à crayonner, à dessiner, à réfléchir réellement au thème, au rythme que j'aimerais donner à la maquette. Et puis après, il y a le choix des couleurs, comme vous le voyez ici, qui est une pure joie, parce que là aussi, il faut choisir, il faut se dire, tiens, attention, soyons sages, ou au contraire, allons-y. Ça, ce sont les gestes créatifs, pour moi, les plus importants. Les mains ne sont que les instruments de ce que j'ai pu réfléchir et de ce que je voudrais traduire. Je pense que l'exemplarité est une très belle chose. On a perdu de vue qu'autrefois, la transmission, elle se faisait presque naturellement. Elle se faisait parce que les gens vivaient ensemble déjà. Avec mes fils, bon, l'exemple, ils l'ont vu au travers de ma vie, puisqu'ils m'ont vu comment je choisissais les verres, etc. Et puis après, ce que j'ai essayé, c'est de leur donner des responsabilités le plus possible, de façon à être responsable de leurs décisions. Je crois qu'il faut laisser une part de liberté, c'est très important. Qui dit liberté, dit aussi tous les problèmes liés à les libertés, c'est-à-dire la responsabilité. Bon travail, bonne inspiration. Ok. Ben merci. La Fondation Rémy Cointreau nous a aidés pour un problème très précis que nous avions de gravure au jet de sable. C'était très important parce que il faut quand même tout un équipement que nous n'avions pas. Et cette magnifique sableuse, qui marche bien sûr à la compression et au jet de sable, sert à user le verre. Et comme vous le voyez sur cette plaque bleue, on a attaqué les parties bleues pour retrouver la sous-couche. Et cette machine qui peut être transportée à l'extérieur, il y a des roulettes, nous permet d'intervenir sur des grands éléments de verre verrier sur des chantiers. Je crois qu'avec la Fondation, finalement, je me suis retrouvé des valeurs communes. Le temps. Le temps qui est très important, mais qui n'a pas l'importance que l'on a habituellement en disant il faut tant de temps pour faire telle chose. Là, il faut du temps au temps. Et ça, je crois que ça nous rejoint.